Ketaxon. Famille du médicament antidépresseur imipraminique. Dans quel cas le médicament est-il prescrit? Ce médicament appartient à la famille des antidépresseurs imipraminiques. Il possède des effets atropiniques qui ne participent pas à son activité mais qui expliquent certaines contre-indications et certains effets indésirables. Il est utilisé dans le traitement des états dépressifs. Mode d'emploi et posologie du médicament. Les comprimés sont habituellement administrés en une prise, le plus souvent le soir, au cours ou en dehors des repas. Posologie usuelle. La posologie est très variable selon les cas. Elle est comprise entre 10 mg à 300 mg par jour. Contre-indication du médicament. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Risque de glaucome à angle fermé. Risque de rétention des urines, adhérents de la prostate. Infarctus du myocarde récent, moins de 3 mois. En association avec un médicament contenant de l'cétopride. Fertilité, grossesse et allaitement. Grossesse. Si une grossesse survient pendant le traitement, consultez votre médecin. Il appréciera le risque éventuel lié à l'utilisation de ce médicament dans votre cas. Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire. Allaitement. Ce médicament est susceptible de passer faiblement dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé sans avis médical. Effet indésirable possible du médicament Ketaxon. Comme tous les antidépresseurs imipraminiques, sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation, tachycardie, sueur, difficulté à uriner, troubles sexuels, hypotension orthostatique, somnolence.